Vous êtes bien sur Cannes Les Reims TV, Portrait People. Aujourd'hui, on est allé à la rencontre de Aurélien Vivos. Ça va Aurélien ? Impeccable après le concert, ça y est, on relâche. On te connaît évidemment grâce à The Voice parce que tu as été gagnant de The Voice 2023, on le précise. Et puis du coup, c'est parti pour une tournée 500 voix pour Queen. C'était logique en fait cette rencontre avec ce producteur, avec ce spectacle. Alors, c'était pas logique du tout, c'est une chance incroyable parce qu'il faut savoir que quand on gagne The Voice, on a un contrat avec Universal, mais c'est eux qui gèrent tout, pas le spectacle en fait. Et David, il a flashé sur mon profil et il s'est battu pour être mon producteur de spectacle. Donc, c'est mon producteur de spectacle et grâce à lui, je fais plein de dates, donc 500 voix pour Queen et mes spectacles aussi, De l'ombre à la lumière. Avec un Olympia le 5 juin. Oui, je fais ma pub, t'as vu ça y est. Ah oui, mais le 5 juin, on l'avait bien noté. Tout ça, ça a commencé évidemment, il y a The Voice, mais il y a eu un commencement parce que tu viens d'Agen. Et on a eu l'occasion d'en parler un petit peu en off avec l'accent. Donc voilà, on souligne un petit peu. Du coup, toi, tu as commencé par un autre métier il y a un peu plus d'un an, tout juste. C'était quoi ? Alors, j'étais magasinier. Faut se dire que j'étais avec mon petit gilet orange. Enfin, grande taille quand même. Avec un casque. Et je vendais des tuyaux et de la plomberie et tout ça. Et je conduisais le Fenwick et tout. Moi, je vais pas vous raconter tout ça parce qu'il y en a pour 3 heures. Mais c'était chouette, j'étais bien. C'était ma vie d'avant. Et j'aurais jamais imaginé pouvoir chanter. Avoir la chance de chanter dans des zéniths et tout, c'est incroyable. Là, ce soir, c'était la 11e date et c'est incroyable. Alors finalement, ce spectacle, il est construit d'une certaine manière. On retrouve la rétrospective parce que là, on est en after show, ce qu'on appelle after show. On vient de le voir, là, on sort, on est encore dans les émotions. Il y a des belles émotions, il y a une belle ouverture. Il y a une chanson que tu appréhendes en particulier. Tu te dis, c'est vrai que Queen, quand même, Freddie Mercury, ces notes qui montent quand même très très haut. Toi, tu les atteins avec, on dirait, presque facilement. Ouais, mais non, c'est pas facile du tout. Non, je me casse beaucoup la voix pour y aller. Faut savoir, je chante plus bas que lui, j'ai pas la même tessiture parce que lui, de toute façon, c'était un extraterrestre. En fait, le but, c'est vraiment pas de chanter comme lui parce que déjà, on peut pas, mais c'est de lui faire le plus bel hommage possible parce que leur musique, elle traverse les âges. Et puis, je pense que c'est loin d'être fini, ça va perdurer. Et donc, c'est un bel hommage, c'est des beaux messages et puis surtout, c'est un partage. Oh, y a beaucoup de rimes en âge, t'as vu ? C'est très bien, je vois que. Je vois que t'es bien là. et puis c'est un partage immense entre 400 et 500 choristes à chaque fois, c'est jamais les mêmes personnes. Donc il y a ce moment en fait où on découvre pendant les balances une bonne heure et demie les équipes qui ont travaillé pendant des semaines en fait, et puis c'est l'aboutissement pour eux, donc on se doit d'être à la hauteur de ces gens-là. Et on partage à chaque fois, c'est différent et c'est énorme à chaque fois, quoi. C'est un régal. Alors, ces rencontres avec tous les choristes, il y en a 500 à chaque fois, à chaque étape. On va dire qu'il y en a aussi qui viennent d'ailleurs, qui rejoignent. Il y a un petit peu un appel à venir chanter avec vous finalement sur scène. Oui, et puis en fait, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, parce qu'au début, bon, ça se lançait comme ça. Et puis là, en fait, quand on voit les messages, les commentaires et tout ça, comme je dis, il y a cette notion de partage, en fait, et puis de bonne humeur, et envie de chanter sur une grande scène. Et c'est ça qui est bien, c'est que n'importe qui peut le faire. Maintenant, ça se sait. Et surtout que bon, maintenant, Queen, c'est trop tard pour pouvoir le faire, mais il y a 500 voix pour les chansons françaises, donc ça va recommencer les castings et tout ça. Et je trouve ce concept génial pour ça, quoi. Alors, on parlait de l'Olympia, parce qu'il y a un Olympia qui arrive le 5 juin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps, tu as goûté un petit peu à l'Olympia, c'était avec Hugo Frey. Et puis finalement, le temps passe et ça va être ton Olympia. Tout ça, ça arrive quand même assez vite. Hein. Alors, j'ai su ça 2 jours après la victoire. Donc, en fait, j'avais un trop plein d'émotions positives. En fait, je m'en suis pris plein la figure et on m'achève, on me dit Aurélien. Alors, c'est vrai que c'est un honneur incroyable parce que je sais qu'il y a des artistes qui mettent des années, il y en a qui le feront probablement jamais. Et moi, on me dit, voilà, ça me tombe comme ça, bam, sur la figure, il faut que je sois à la hauteur. C'est un honneur absolu quand on sait tous les artistes depuis je ne sais plus combien d'années, ça existe. Depuis très, très, très longtemps. Très, très longtemps. J'ai pas la date non plus. Et là, je me dis, déjà, j'ai eu un aperçu. On sent des zones particulières en fait et c'est très touchant, c'est très fort comme truc hein. Donc j'ai ressenti ça un peu avec Hugo Frey l'autre fois donc il va falloir que je sois à la hauteur parce qu'on me donne cette chance. Il faut pas que je sois à moitié, il faut que je me donne à fond pour pouvoir dire voilà, vous m'avez donné de la chance, je mets tout ce que je peux pour que ce soit un grand moment. Le plus beau duo que tu as réalisé il y a quelques temps en arrière, c'était lequel ? Alors, il y avait Hugo Frey, mais il y en a eu d'autres grâce à The Voice. C'est lequel que tu retiens en particulier ? Alors, il y en a deux. Alors, bien sûr, déjà, j'ai réalisé un rêve quand j'ai chanté avec Zazie. Ça, c'était juste un rêve. J'avais un rêve. Je me suis dit,
avant même de faire The Voice, un jour, si je pouvais chanter avec Zazie, ça serait tellement magique. Et j'ai eu cette chance-là, parce que malheureusement pour les copains, j'étais le dernier survivant de la team Zazie. Et ça, donc là, c'est un trio, enfin, ou un quatuor, il y a plusieurs. J'étais tout seul, donc j'ai eu mon duo avec Zazie. Donc là, j'ai réalisé un rêve, en plus en chantant une chanson de Florent Pagny, que je maintiens, je le dis, Florent Pagny, j'aimerais bien chanter un jour avec lui. Bon, il le sait, il le sait. Et puis après, donc arrivé la finale, où là, j'ai chanté avec Patrick Bruel. Et là, c'est pareil, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé vivre un truc pareil. Et surtout qu'en plus, ce jour-là, j'ai pris un risque, parce que je me suis dit, allez, je mets une note d'heavy metal. Et là, il va me dire, Aurélien, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas ça. Et en fait, non, il était super emballé. Et c'était incroyable. Et puis j'ai rencontré la personne, pas que le chanteur, la personne. Et je suis pas déçu. Alors, tu parlais de heavy metal. Heavy metal, c'est ce que tu faisais comme musique ouais, avant. J'ai pas précisé. Voilà, précise-le, parce que sinon, on va pas le comprendre. En fait, j'aime beaucoup de styles musicaux différents, en fait, suivant les moments, l'humeur et tout ça. Mais c'est vrai que le hard rock, je viens de là, en fait. On le sent quand tu chantes. Hein. On sent qu'à un moment donné, il y a ce creuset dans la voix. Il y a un caillou, j'appelle ça le caillou. Bon, ça casse la voix, mais et là, je peux en mettre beaucoup dans Queen, donc c'est pour ça que c'est cool. Et du coup, j'ai eu plusieurs déclics musicaux. Voilà. Et c'est vrai que le hard rock, c'est par rapport à la voix, j'ai des chanteurs que je les trouve tellement incroyables. Et voilà, c'est grâce à eux aussi que je ce timbre. Je m'inspire d'eux. De l'ombre à la lumière. Ah bah oui, bah c'est exactement, ça résume ta vie en quelque sorte. Voilà, et donc du coup, ça sera à l'Olympia prochainement. Donc là, c'est la tournée des Zéniths, c'est ça, avec les 500 voix pour Queen. Et après, c'est toi. Alors, il y a eu un petit moment où c'était mes concerts. Et là, on les a mis en pause pour pouvoir faire les 500 voix. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je passe de salle entre 2 et 500 personnes, un peu environ. Et j'ai la chance que les gens viennent me voir. Alors que bon, pour l'instant, c'est incroyable. À ce stade-là, déjà, c'est comme complètement dingue déjà que ça marche comme ça. Je suis très heureux pour ça, d'ailleurs. Et là, je découvre ce que c'est le rythme d'une tournée à grande échelle. Quoi. Une énorme tournée, 2 à 3 dates par semaine, des équipes formidables. On est une famille déjà, c'est ça qui est bien. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en temps normal, il ne faut pas que je m'habitue peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde, on est super soudés et c'est trop trop bien. Quoi. Un petit message pour les Azuréens, pour Canler Reims TV. Tu as quelque chose à dire un petit peu? Eh bien, je vous remercie pour le soutien que je reçois. Encore. Et là, c'est particulier parce que là, j'ai même pas envie de parler pour moi parce qu'on est tous ensemble là. C'est une grosse équipe. Hein. Ouais, une belle équipe, une grosse équipe. Et c'est toujours du partage, de la bonne humeur, de la joie, de belles choses. Et franchement, pourvu que ça dure, quoi, parce que c'est magique. Alors, les 500 voix pour Queen, ça continue évidemment, c'est en tournée. De l'ombre à la lumière, à retrouver évidemment ton spectacle à toi, qui sera le 5 juin, ça sera à l'Olympia. Et puis, certainement en tournée qu'on te retrouvera, j'imagine. Oui, ben là, en fait, il faut que l'album sorte. Donc là, j'ai presque toutes les chansons parce qu'il faut les choisir. Il y en a beaucoup, il faut couper. J'en ai 27, il en faut 12 ou 13. Et quand l'album sortira, je pourrai déjà commencer à écrire le nouveau spectacle qu'on fera l'année prochaine, sûrement. Mais il y a de belles choses en préparation. Les 500 voix pour Queen aussi, ça veut dire une grosse production, ça veut dire un producteur, ça veut dire quelqu'un qui croit en son projet, qui avait vraiment voulu mettre à l'honneur les artistes sur scène et en même temps Freddie Mercury. Tout ça, c'est parti d'une histoire, mais quelle histoire? Quelle est votre histoire, cher David Arnie? Eh ben, en fait, j'ai mon ancienne associée, qui est décédée il y a un an, produisait une émission qui s'appelait Les 300 Cœurs sur France 3. Et il m'a dit que ça serait bien qu'un jour, on monte un projet avec des cœurs, partout en France, dans les Zéniths. Il est décédé et moi, j'ai décidé de continuer quand même l'aventure. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'emmener 500 choristes différents par ville, ici à Nice,
C'était, on dit Niçois, c'est ça ? Oui, les Niçois. Voilà. Demain, on est à Aix, on a Toulouse, Bordeaux. Et ce sont que des choristes locaux qui interprètent et qui rendent hommage à Freddie Mercury. Alors vous lui rendez bien hommage et vous avez décidé de vous entourer de magnifiques voix. On les a entendues parce qu'on est dans l'after show. Et dans l'after show, on parle aussi voilà, de l'envers du décor des coulisses. C'était une évidence. Il y avait Aurélien Vivos, puis tous ceux qui succèdent sur scène. Il y avait une évidence comme ça dans le casting ? En fait, c'est simple. Freddie Mercury, c'était un esprit torturé. Et moi, mon esprit torturé, c'est Cecilia. Freddie Mercury, c'était une pile électrique. Et ma pile électrique, c'est Charlie. Freddie Mercury, c'était le rock dur. Et le rock dur, c'est Jade. Et Freddie Mercury, c'était aussi un ténor. Et mon ténor, c'est Aurélien Vivos. C'est magnifique, en tout cas, c'est une belle aventure qui continue. Il y a plein de dates durant toute l'année 2024. Quel est justement, vous avez un objectif de faire un spectacle encore 100 fois plus grand ou, comment vous voyez ça ? Bah, ça y est, on y est. Hein, parce qu'en juin 2025, on a un 500 voix qui va devenir un 10 000 voix. Au Stade de Lille, 10 000 choristes qui vont chanter les plus belles chansons françaises. Bon, on a hâte en tout cas de découvrir ça. Voilà, plein de choses qui sont en préparation évidemment. Aurélien Vivos dit que heureusement que vous êtes là, vous lui apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis qu'il a démarré cette carrière. Et puis vous le suivez aussi sur son projet perso. On est d'accord, il y a l'Olympia, il y a tout ça. Ouais, c'est ça, on a un Olympia, mais c'est son talent qui fait tout. Moi, je suis là pour accompagner. En tout cas, merci beaucoup David Hardy, voilà, qui est le producteur du spectacle, en tout cas 500 voix pour Queen. Et puis, bien évidemment, cette interview, vous allez la retrouver sur lesreims-media.fr. Merci David. Merci.